conseil d'arrondissement sur la présentation du contrat de performance pour les travaux de déneigement de l'année passée, parce que le déneigement s'en vient bientôt, je vais juste vous le rappeler, et la réfection routière du réseau local. Donc, c'est le service d'entretien voirie. C'est les gens de ce service-là qui viennent nous faire une présentation. C'est prévu à 19h30. Et ben, c'est un moment intéressant pour jaser du déneigement, de voir comment ça s'est passé l'hiver dernier. Fait que les statistiques qui vont nous être présentées, puis s'il y a des enjeux qu'on veut adresser, c'est le moment pour le faire. Puis, ben, normalement, les citoyens ne posent pas tant de questions, mais si jamais vous en avez, ça me fera bien plaisir de pouvoir quand même y répondre. Ça te va? Donc, collègues, au niveau de l'ordre du jour, on adopte l'ordre du jour tel que proposé. Monsieur Basque m'a dit qu'il n'y avait pas d'ajout à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Ça te va? Effectivement. C'est bon. Donc, lecture et adoption du procès-verbal numéro 8 du 4 juillet 2022. C'est conforme à nos discussions? C'est bon? Parfait. Ensuite, le procès-verbal arrondissement de Brampton-Reforest-Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 13 juin 2022. Conforme à vos discussions? Oui, ça fait. Parfait. Alors, nous sommes au point 4, qui est la période de questions des personnes présentes. Alors, c'est le moment où vous pouvez vous exprimer, poser vos questions. Vous avez, ben, c'est un peu comme au conseil, là, c'est peut-être un peu moins rigoureux, mais comme vous êtes beaucoup ce soir, puis quand même temps limite, on va essayer quand même de s'en tenir à 3 minutes, votre temps de parole et votre temps de questions. Fait que je vais, ben, Nicolas, c'est possible de faire ça? Non? Moi, je vais le faire. Oui. Moi? Ben, c'est... Est-ce que ce n'est pas tout le même sujet? Il y a plusieurs personnes pour la réponse, hein, je pense. Oui. Donc, il y a d'autres sujets aussi. On pourrait peut-être écouter tout ça sur les sujets. Oui, moi, on a. Oui. Vous avez d'autres sujets que la réponse? Non. Mais là, Madame Moreau est levée. Déjà, vous aviez déjà. Allez-y. Ça va être intéressant, la réponse. Oui, je parle. Vous allez attendre. Donc, OK. Fait que, question de ne pas trop étirer la chose, est-ce que vous avez un porte-parole qui va nous expliquer l'ensemble de, en fait, du dossier? Parce que vous savez aussi que le dossier a déjà été présenté au conseil municipal la semaine dernière. Oui. Fait que vous allez faire ça à deux pour l'ensemble des gens qui sont présents? Oui. OK, parfait. Peut-être pour le but du procès verbal, pouvez-vous juste à la main levée, là, ceux qui sont là pour le dossier de la rue Ponton? Fait qu'il y en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça? Oui, 11 personnes. Tu comptes aussi? Oui. OK, parfait. Parfait. Donc. Bon, je me présente. Oui. Oui. Donc, pour les citoyens et citoyennes de la rue Ponton, parce qu'on a un peu de trouble sur la rue Ponton, pour les refoulements d'égout. Nous, ce qu'on aimerait savoir, je sais qu'on a parlé au conseil municipal de Sherbrooke, mais là, ici, maintenant, ce soir, j'aimerais savoir qu'est-ce que le conseil va faire pour la rue Ponton. On aimerait savoir, est-ce que la rue va se faire? Est-ce que ça va aller dans 10 ans? Est-ce que ça va être une suite? Est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il va y avoir une suite à tout ça? Parce que nous, on n'a plus vivre sur la rue Ponton avec des égouts dans nos maisons. Là, c'est une question de salubrité. Là, c'est une question de salubrité et de bactéries. Oui. Là, présentement, nous, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce que le conseil va faire pour nous? OK. C'est bon. Ensuite, je vais répondre à votre question par après. En fait, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais intervenir. Puis, je vais vous demander peut-être de compléter maintenant. OK, moi, c'est Mario Bélil. Mario Bélil? Mario Bélil, ouais, oui, ça fait longtemps que je suis dans la rue. Ça fait 40 ans que je suis dans la rue. Oui. Et puis, le gros problème a commencé quand ils ont installé des pompes. La ville a fait installer des pompes dans les fosses septiques. Parce qu'on dit, quand Brampton est devenu Sherbrooke, arrondissement à Sherbrooke, ils ont dit que les champs d'épuration étaient non conformes. Donc là, ils ont fait installer aux résidents, ça leur a coûté assez cher, ils ont fait installer des pompes. Et puis là, je pense que c'est rendu à 10 ou 12 pompes
lorsqu'on a ici bâti les maisons. Même la canalisation dans la rue, c'est deux services dans le même. C'est un petit tuyau. Ça a été installé dans les années 50 à peu près, d'après moi. Fait que, quand avec les grosses pluies qu'on a eues dernièrement, puis là, ça, ça va faire la même affaire. Ça va tout, ça a renversé dans les maisons. Ça l'a refoulé. Fait qu'avec les pompes, ce qui arrive aussi, il y aurait pu, me semble, la ville, les ingénieurs, je ne sais pas, j'ai rien contre les ingénieurs, mais il aurait pu s'en aller direct à l'usine d'épuration qui avait 500 pieds ou 1000 pieds à faire. Mm. Mais non, il a envoyé ça dans notre rue à nous autres. Et le tuyau est déjà assez petit. Fait que quand que nous autres, quand, mettons, tu as juste une pompe qui va partir, c'est sa clé à 20, 25 livres. Et nous autres, quand on flèche notre toilette, la colonne d'air, la colonne d'eau, c'est à peu près 5 à 10 livres. Parce qu'un gallon d'eau pèse 10 livres. Fait que, on va dire 10 livres. Fait que le 10 livres ne poussera pas de 20 livres. Parce que quand que la pompe dans le tuyau, toi, tu flèches la toilette en même temps, ça ne descendra pas. La toilette n'a pas ça de même. À un moment donné, où tu prends le siphon, tu y as la main quand ça veut descendre, quand il n'y a plus de trafic dans le tuyau. Et puis moi, chez nous, sur le coin de mon terrain, c'est le premier saut. Parce que c'est une pente. Après ça, nous autres, on est sa partie là. Quand il y a une pompe qui part, elle s'en vient avec sa colonne d'eau, elle déplace de l'air. L'air, on va sortir à le premier endroit qu'elle peut sortir. C'est vrai une sourde. Quand on est assis à la galerie ou on est à côté du saut, on sait à quel point qui passe, ça sent mal. Mais c'est pas normal. OK. Donc, je vais. Parfait. Écoutez, quand j'ai vu là, qu'il y avait plusieurs personnes, on se pose tout le temps la question pourquoi les gens sont là. Et là, j'ai compris que c'est le dossier de la rue Ponton. J'ai appelé là, la directrice du service juridique entre les deux, là, entre le temps qu'on s'est parlé. Informellement. Dans le fond, la directrice du service juridique me confirmait, dans le fond, qu'il y a eu une demande de réclamation à la fin du mois de juillet. Donc, dès qu'il y a une demande de réclamation qui est faite par des citoyens, on considère que le dossier est judiciarisé. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une enquête puis des analyses pour identifier la portion de responsabilité de la ville dans le dossier. Est-ce que la ville est responsable? Des problématiques là, qu'il y a ou pas. Donc, je vais juste finir. Là. Donc, il y a eu officiellement une réclamation qui a été déposée à la Ville à la fin du mois de juillet. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc, à la personne qui l'a fait, il y a eu une confirmation là, qu'on avait reçu la réclamation. Le dossier est en analyse actuellement. Donc, nos services du service des infrastructures urbaines sont en train de regarder là, ce dossier-là. Et ils vont ensuite revenir avec c'est quoi là, la part responsabilité ville et aussi proposer s'il y a lieu là, ben, un plan de match pour la suite des choses. Fait qu'on n'a pas de délai. Là, je sais que la personne qui a envoyé la réclamation s'est fait poser aussi des questions. Il faudrait idéalement aussi répondre. C'est dur de donner des délais parce que des fois, il y a des échanges d'informations à y avoir entre les citoyens et puis la ville. Donc là, il y a ce processus-là. Là. Donc, plus rapide que tout ça se passe, bien, plus rapide l'analyse pourra être faite. Donc, on est vraiment dans le processus d'analyse. On ne peut pas te donner autre information que ça pour le moment. Mais en attendant, là, ouais. Qu'est-ce que je fais avec l'eau dans ma maison? Qu'est-ce que je fais avec quand il y a une pluie, que l'eau rentre encore? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre? Mais peut-être, je vous invite à voir avec votre assureur. Là, comment... Non, il ne voudra plus vous assurer, là. Okay. Vous avertir, là. Parce que la rue n'est pas conforme. C'est pas dur à avoir la rue n'est pas conforme. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait les tuyaux au plus près parce que la rue n'est pas conforme. Mais là, aussitôt qu'on va avoir une autre plus grosse, puis j'ai encore ça chez moi, moi, qui n'est pas juste moi, là. Il y en a d'autres. On a de l'eau dans nos maisons. Et moi, C'est des bactéries, c'est dangereux pour notre santé, c'est une question d'hygiène. OK, donc là, la question que vous voulez répondre, c'est l'eau qu'il y a actuellement dans les maisons, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Qu'est-ce que je fais en attendant? Je les ramasse, je les amène ici? Je pense. Non, mais tu sais, regarde. Je comprends. Je ne sais plus qu'à se faire avec, moi, là. Je comprends, OK.
On va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette question-là. Théoriquement, ça appartient un peu à chacun le temps, justement, que l'analyse se fasse. Malheureusement, il faut prendre le temps de faire cette analyse-là. Puis, tu sais, à partir du moment là où on a l'information que la problématique s'est amplifiée, parce que je comprends qu'il y a toujours eu un problème. Mais ce que M. Bellil vient d'expliquer, c'est que ça s'est amplifié dans les derniers temps du fait que des ponts qui ont été ajoutés parce qu'il y a des nouvelles résidences. C'est les mêmes tuyaux. Qui ont été ajoutés, là. C'est, il y a eu... sont-ils des tuyaux? Ben, c'est ça. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je ne vais pas me prononcer sur la capacité des tuyaux, si c'est des bons tuyaux ou tout ça. Les ingénieurs devraient me rendre compte, comme Nicole a dit. Mais c'est ça. Tu sais, malheureusement... On est persuadable, là. Ouais. C'est des sous pour nous, là. Mais en plus, on a eu une augmentation de taxes. Puis avec mon... Excuse-moi. Avec mon augmentation de taxes, moi, au lieu d'avoir de l'eau, mais j'ai les égouts qui rentrent. Je paye pour que l'eau, les égouts rentrent chez moi. OK. J'entends, là. Ouais. J'entends, mais c'est le genre de dossier qu'on ne peut pas traiter dans une séance du conseil ou dans une séance de conseil d'arrondissement parce qu'il y a trop d'allées. Il faut des discussions avec, avec nos services. Mais là, plus une réclamation, il faut procéder par cette porte-là, malheureusement. Demander est-ce que la ville va me payer ma franchise? Parce que si je fais d'autres réclamations, je fais d'autres franchises de 500 $. Puis il faudrait que je mettrais 12 000 $ en attendant que la ville fasse son travail. Est-ce que la ville va me faire ce soir un chèque de 12 000 $? Faut que j'arrête ça. Est-ce que vous me posez sérieusement la question moi, que je vais vous faire un chèque de 12 000 $ ce soir? C'est une question à poser parce qu'il faudrait que je mettrais 12 000 $ en attendant que la ville refasse la rue, les tuyaux en ordre. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça, je comprends, je comprends ce que vous me dites. J'ai pas de réponse, à part que le dossier est en analyse. C'est vous qui avez fait la réclamation? Bien, c'est sûr, c'est moi. Bon, donc là, il y a les réponses à vous avez reçu des questions. On vous demande d'y répondre le plus rapidement possible. Bien, c'est tout fait, nous, les réponses. Vous l'avez déjà fait? OK, parfait. Mais en attendant, ce que je fais, si on a d'autres... les gars, à part, parce qu'il y en a des grosses pluies, qu'est-ce que je fais? Je ramasse ça encore? On va trouver... On a entendu votre question? On va voir, là, on prend notre question, on va vous revenir. C'est bon? Est-ce que nous, moi, je n'ai pas suivi, je n'ai pas fait de contact avec la ville. Oui. Je suis posée me concerner. Ben, c'est ça ma question. Moi, pardon? C'est pas supposé être soit en cours actuellement. Moi, je n'ai pas fait de demande, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas envoyé rien de. Non, c'est ça, mais c'est parce comment que. Ça se fait que. C'est parce que c'est public. Je suis bloquée par rapport à tout le monde. Les assureurs. J'ai deux dans ma carte pareil. Oui, non, c'est ça. Les assureurs, les avocats, ils peuvent. Là, en plus, on est enregistré, filmé. Oui. Oui. Donc, tout ce qu'on peut dire ici, supposons les avocats des compagnies d'assurance vont reprendre le contenu puis ils vont dire, bien, ils vous ont divulgué telle information. Fait qu'on, c'est une fois qu'un dossier est judiciarisé, même si ce n'est pas vous avec la ville, je ne peux pas plus vous donner la réponse. On est dans une institution publique, c'est public, là. Donc, on ne peut pas. On n'a pas l'information en plus. C'est trop rapide, là. Puis l'été, il y a plein de monde en vacances. On aimerait ça que tout puisse se régler là, en une semaine, là, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le fait que ce soit judiciarisé, ouais. On ne se cachera pas. Là, souvent, c'est des longues procédures, puis la bureaucratie, un va parler à un, l'autre. Et ça peut être quand même très long. Est-ce que vous, la ville, peut faire quelque chose comme juste pour aider à accélérer le traitement de toute cette demande-là, étant donné que tu sais, c'est un problème de salubrité. On ne parle pas d'un problème comme de pression d'eau quand on prend notre douche, mais on parle vraiment d'un problème de salubrité dans nos maisons. Est-ce que la ville, vous êtes capable comme, de faire de quoi pour nous aider juste à ce que ça avance plus vite ou à partir de ce moment-là, c'est une réponse claire de dire « Non, regarde, on ne peut rien faire. Oui, ça va être long. Attendez, puis il n'y a rien à faire. Puis... » Bien, on ne souhaite pas que ça soit long, là. Ouais, mais... OK. Mais je sais que le dossier est en traitement en ce moment, mais on va poser la question là, entre les deux, là. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour accélérer? C'est sûr que ce qui peut être fait, c'est quand on pose des questions, les réponses soient aussi répondues rapidement. Fait que c'est un mélange de tout ça. Puis, madame parlait de la désuétude de la rue, là. Oui. Moi, ça fait 11 ans que je meurs sur la rue, là. Oui. C'est non seulement les canalisations sont maganées, l'asphalte est maganée,
C'est dangereux pour mon gars, fait la trottinette. Sur un côté, quand on se promène pour aller vers la rue Pontor, c'est 30 km/h. Puis sur l'autre, c'est la même rue. Quand on s'en va vers l'école, c'est 50 km/h. Tu veux dire, il y a comme. On dirait que c'est un no man's land. C'est complètement aberrant. On a vu apparaître une pancarte là, pour un trailer. Là, pour une pancarte, c'est très bien. Ça a diminué la vitesse du trafic de moitié. Pas vrai? Oui, ça a marché. Mon Dieu, ouais. On est content. C'est excellent. Ouais, ça a marché pour certains. Oui, c'est ça. C'est toujours pour certains. Mais... Par contre, là, votre machine qui dit la vitesse, c'est super, mais pas sur le bon bord d'allume. OK. Vous savez, c'est sur le bord d'allume que ça la prend. Puis quand les gens se dirigent, moi, je ne connais pas bien de zone scolaire à Sherbrooke de 50 km/h. C'est-à-dire, on ferait le tour de la ville, il n'y en a pas. Par contre, quand on sort, je suis content, on passe en avant d'école secondaire, 50 km/h, pas de problème. Secondaire, c'est 50. Oui, donc vous dites que devant les écoles secondaires, ça devait être aussi 30 comme les écoles primaires. Oui, il me semble que je suis une école secondaire qui a probablement 5-6 étudiants qui vont dîner à l'épicerie, qui n'a pas de trottoir. Okay. C'est vrai que vous dire, maintenant, là, c'est la sécurité publique. Ouais. Non seulement ça, puis les canalisations sont détruites. Quand il mouille en avant de chez nous, là, il y a une flaque d'eau d'à peu près 500 mètres. Imaginez-vous l'hiver. Okay. Quand on déblaye notre tour, c'est pas un banc de neige qu'on a, c'est un banc de slot. Puis pourtant, on paye les mêmes taxes que partout dans la ville. On a eu même des augmentations de taxes. Là, je vais vous demander, en fait, là, Eric, tu m'as pas chicané encore, là. Mais tu devrais, mais je pense qu'il faut prendre le nom des personnes qui interviennent. C'est préférable. Oui. Je ne suis pas habituée d'avoir autant de monde à gérer. Fait que, est-ce que vous pouvez me donner votre nom, monsieur? Oui, c'est monsieur Dominique Veilleux. Dominique Veilleux, ouais. OK, donc de la rue Ponton. Oui. Et là, vous, votre intervention, c'est par rapport à la sécurité plus générale. Oui. Donc, d'essayer d'aller chercher un peu plus de ce que vous me dites, ça devrait être plus cohérent, puis aussi de diminuer la vitesse devant l'école secondaire, pas seulement devant les écoles primaires. C'est ça? Là, on parle... Madame parle ici de la 18-8 de la rue ouais. Par rapport aux canalisations. Puis moi, je rajoute une couche par-dessus ça. C'est-à-dire, non seulement les tuyaux sont inefficaces, puis qu'ils baissent la valeur de nos maisons, en plus de nous augmenter l'assurance, on a la même taxation. Puis en plus de ça, la rue est la décrépitude ouais. Totale. Mais habituellement, la beauté de la chose, c'est quand on refait les tuyaux, on fait aussi la sphère. Ben, c'est pour ça que je suis fait à ce point-là aussi. Oui, ça va habituellement ensemble. Si ça pourrait être déjudicier le processus puis l'accélérer. Puis d'avoir des réponses. De toute façon, c'est sûr, là, pour gérer vos attentes, ça ne sera pas fait cette année. Il n'y a pas de budget pour ça. OK? Fait que ça, si vous attendez à ce que ça soit fait cette année, on n'a pas d'enveloppe budgétaire pour ça. Tous les projets sont tagués. Mais là, on s'en va à l'étude budgétaire pour cette année. Donc, oui. Puis en plus, l'hiver s'en vient. En plus. Le budget aussi, préparer les 12 en rue, temporairement. Parce que quand on les appelle. Oui. C'est votre nom. Vous, votre nom. Là, M. Bellil. Hein? Oui. Vous avez déjà intervenu, par exemple. Oui. C'est juste pour rajouter. Tantôt, c'est super. Les gens sont là pour l'INPOL. Pour la sécurité. Oui. OK. C'est bon? On appelle. Il faut qu'ils viennent pâcher des trous. Oui, on va y aller. Les gars viennent. Il y a trois trous. Ils vont en pâcher un. Ils s'en vont. Là, tu rappelles. Hey, quand on a des trous, là, ils reviennent, ils en repatchent un autre, mais ils laissent l'autre encore. Ça, c'est vrai, ça veut dire. À un moment donné, je dis, il y en a un plus loin, avant les venus pour ce là. OK. Est-ce que, bon, pour le dossier de la rue Ponton, il y avait d'autres interventions, ça va? C'est bon? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de citoyens? Je pense que Mme Moreau, vous êtes levée. Certainement. Oui. Alors, c'est dans un tout autre ordre d'idée, je vous en ai dit. Moi, j'habite sur la rue Saint-Tracteur. Madame Legault, oui. je me pose vraiment, il n'y a rien de vous qui peut répondre à ça. Parfait, je te réponds. Que l'économie récurrente de 2 millions de dollars promise par M. Sévigny aux élections 2013 vaut la peine? Parce que mon constat, c'est que les services aux citoyens ont diminué. On a comme un bel exemple ici. Ça serait super parfait. Dans leur qualité, OK? Le travail des élus s'est complexifié. La perte des services de proximité ici se fait sentir. Puis, en même temps, je me pose la question ce que pensent les citoyens des autres districts. Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Je ne sais pas
qui s'occupe de ça, mais je me posais la question, c'est une forme de service de proximité aussi qu'on a perdu. Où est-ce qu'on en est dans le dossier du gym au-dessus de l'aréna de Compton? Et troisième question, la pandémie, elle a modifié bien des choses dans l'organisation d'événements publics, les fêtes, nos comités de fêtes de district ont été fondus en un seul comité cette année. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. Les bénévoles qui étaient dans ces comités-là n'ont comme pas nécessairement pu s'impliquer dans le nouveau comité qui fait toutes les fêtes. À un moment donné, il y a une expertise qu'ils opèrent. C'est comme si on remplaçait tous les élus du conseil municipal d'un seul coup. Il y a une expertise qui se perd, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Il y avait des gens qui avaient de l'expérience. Et mon constat, ça a été, je suis allée à Saint-Jean, puis je suis allée à la fête de la rentrée. Mon constat, ça a été que, il y a des affaires que ça n'a pas nécessairement été des bonnes idées, puis que si j'avais pu siéger au comité, j'aurais pu apporter mon expertise, mais ça n'a pas été le cas. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de savoir pourquoi cette manière de faire-là a été utilisée? OK. Écoutez, Mme Moreau, je vais répondre là, à vos questions du mieux que je peux. Je vais y aller à l'envers là, par rapport aux fêtes de quartier et fêtes de voisinage, tout ça. C'est un dossier là, qui est, je vous dirais, un peu à l'étude là, en ce moment. Il y a eu des rapports qui ont été présentés aux élus au cours là, des derniers mois pour voir les investissements dans ce type de fêtes-là à travers la ville. Pour essayer de trouver un certain équilibre là, de type de fête qu'on retrouve dans chacun des quartiers. Donc, est-ce que c'est une conséquence un peu de ça? Je ne peux pas vous dire, mais on est en train de regarder ça. C'est sûr que l'animation de nos quartiers, de nos communautés, c'est un enjeu qui nous touche tous, toutes. Je dirais, là, on est tous des femmes, dans notre arrondissement, si bien que justement, on a demandé à rencontrer tous ceux qui organisent des événements dans notre arrondissement. On a une rencontre qui est prévue ce mois-ci avec pas ce mois-ci parce qu'on est encore en août, là, mais en septembre, je me sens déjà en septembre, avec tous les organismes qui organisent pour qu'on puisse échanger et discuter sur des événements, puis d'échanger pour voir comment on peut améliorer l'offre, tout ça. Fait que c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup et que j'ai pas de réponse précise pour le futur, mais c'est vrai que des fois, on transforme des choses, puis peut-être que c'est pas suffisamment bien expliqué. Ouais, mais vous répondez pas vraiment à ma question, dans le sens où ma question, c'est vraiment sur... Tu sais, je comprends qu'il y a des fois qu'il faut sélectionner les bénévoles, là, mais à un moment donné, pourquoi on sélectionne les bénévoles, les gens qui veulent s'impliquer, du monde qui sont motivés à s'impliquer, ouais. On leur dit, parce que toi, t'es dans plein de groupes d'âge, on a déjà notre personne pour ça. Oui, en fait, la gouvernance, dans les organismes, ça leur appartient un peu. La ville, on a comme pas tant de prise là, sur dans l'organisation. On est en soutien. C'est pas nous autres qui mènent, là. C'est ça que tu veux dire? Oui. Dans le fond, là. Parce qu'on avait trois comités de fête. Oui. Mais quelque chose qui a été décidé quelque part, ça devient un seul comité de fête. Mais écoutez, Mme Moreau, ce qu'on va faire, là, c'est que moi, je ne vais pas répondre pour le service à la vie communautaire. Fait qu'on va demander, dans le fond, à Jean-Yves Larougerie là, de nous revenir avec une réponse plus précise de la décision là, à cette question-là propre. Je ne m'avancerai pas pour eux, mais toutefois, je peux vous dire que c'est les fêtes des quartiers de voisinage, c'est un dossier qui nous préoccupe et qu'on veut. On veut revoir nos façons de faire de ce côté-là. Bien, c'est juste pour dire que exactement, la ville, les élus ne s'insèrent pas dans la gestion de qui va être bénévole ou pas pour un organisme. Non, mais en fait. C'est l'organisme, c'est à l'interne de savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, c'était la ville qui organisait ces fêtes-là avec les citoyens qui. Là, dernièrement, dans le fond, ils ont donné la responsabilité d'organiser les fêtes à Espace Loisirs Brompton. Puis Espace Loisirs Brompton a décidé de choisir les bénévoles qui allaient siéger sur ce comité-là. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui sont fait passer. Oui, c'est ça. Mais la ville n'organise plus d'activités, ça, c'est sûr. Pourquoi?
On ne porte pas les activités, là. Ça devient trop, puis il faut être équitable, mais il n'y a plus d'activités qui sont organisées par nos services. Ils sont en soutien uniquement, c'est sûr, parce que c'est très demandant d'organiser une activité. Et là, j'ai répondu en partie, mais ce que je vous ai dit, c'est qu'on va vous revenir avec la réponse de Jean-Yves Larougerie, qui va être plus officielle que la mienne. Maintenant, concernant le gym, en ce moment, la responsabilité pour le gym, Mme Moreau, c'est Gestion de loisirs plus qui a cette responsabilité-là. Et c'est un dossier qui est en analyse pour le moment, mais en même temps, ce n'était pas une priorité de l'organisme là, parce qu'ils ont toute l'offre de tennis là, à développer à Sherbrooke. Fait que c'est là-dessus en ce moment que le focus, en fonction des ressources qu'ils ont, c'est des ressources limitées. Fait que le focus est mis là-dessus. Pour votre première question sur la réforme de M. Sévigny, écoutez, je vous dirais que est-ce que ça a eu les effets escomptés? Je pense qu'il y a. Est-ce que les économies. Vous parlez surtout d'économie, mais je pense qu'il y a aussi de. Il faut regarder toute la réorganisation plus générale. Puis ce que j'aurais le goût de vous dire après mon troisième mandat là, que j'ai, bien, c'est que chaque réforme a ses avantages et ses inconvénients. Vous allez me trouver un peu plate en disant ça. Mais, tu sais, en ce moment, on a coupé plusieurs comités en voulant optimiser tant les élus, puis pourtant, j'ai l'impression que c'est l'effet contraire que ça a créé. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque réforme de gouvernance. Tout le monde s'adapte puis travaille main dans la main pour le bien de la communauté. Peu importe les réformes qu'il y aura eu à ce jour, je pense qu'il faut travailler ensemble dans ce sens-là. Fait que oui, il y a eu des économies, il y en a eu, je pense, réelles, peut-être pas à la hauteur que vous avez mentionné parce qu'on n'a pas eu de rapport concret là-dessus. Mais c'est une autre époque. Puis quand on revient 8 ans en arrière, on ne regarde pas en avant. Fait qu'on a le goût de regarder en avant. Fait que ça serait ça ma réponse. Puis je vous avais déjà répondu par courriel aussi quand vous me l'avez envoyé. C'est pas ça, Gestion loisirs. C'est l'organisme qui gère l'aréna du centre récréatif et l'aréna ici aussi, Philippe Bergeron. Ils ont un mandat officiel de la ville. Fait que là, eux, ils ont décidé que ça fait tennis. C'est le conseil d'administration, c'est ça, ils sont autonomes dans la gestion, puis l'offre de tennis en ce moment, puis même avec la ville, je dirais, on priorise la ville. Puis ce qui a été discuté, bien, ça tombe bien, je suis sous le conseil d'administration de cet organisme-là, puis c'est clair qu'il va falloir voir quel modèle d'affaires on met en place, là, parce qu'il va falloir mettre des sous, puis est-ce qu'il faut en mettre de manière récurrente et combien? Fait qu'il y a tout ça à analyser, là, c'est un bon dossier d'analyse, ça aussi. Donc, question. Alors, à ce comité-là, si vous permettez. Le Gestion de loisirs plus? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils font des séances ou est-ce qu'on peut assister à ces séances-là ou c'est des décisions qui se prennent à huis clos et les autres décident, cette année, c'est le tennis, puis c'est comment ça fonctionne? C'est-tu un peu comme un conseil d'arrondissement? Non, c'est pas comme un conseil d'arrondissement, c'est comme n'importe quel organisme. OK. Curieux, on ne peut pas assister, non. Fait que, donc, il décide à l'éclat. Ah oui, l'Assemblée générale annuelle. Oui, l'Assemblée générale annuelle. Oui, tout à fait. Super, merci. Mais j'imagine qu'ils peuvent écrire à l'organisme s'ils ont des demandes. Oui, tout à fait. Okay. Oh, oui, c'est ça, vous pouvez appeler le directeur, c'est Martin Bergeron. Okay. Fait que vous pouvez, si vous avez des préoccupations à partager là, à l'organisme. Merci. C'est bon? Là, vous avez déjà beaucoup parlé. Normalement, c'est 3 minutes par personne. On est déjà à 30 minutes en plus là, de période, ben 20 minutes peut-être de période de questions. Fait qu'on va pour le moment, mais vous reviendrez, OK, nous voir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir à nouveau si vous avez d'autres questions. Oui. Bon, Raymond, c'est quand ça te fait la quoi? C'est Gaudreau, hein? Gaudreau, oui. Ben, oui, c'est ça, peut-être pour les fins. Oui, en complément, c'est pas une question, c'est un complément d'information. J'étais sur CA d'Arena. Puis le Bergeron avant. Le Gym Nord, c'est l'aréna qui servait de complémentarité pour aller chercher les écoles de hockey. Évidemment, j'ai des certaines craintes parce que cette valeur ajoutée-là pour aller chercher les écoles de hockey, en les séparant, bien peut-être A et B ne se parleront plus. C'est plus en complément, c'est pas une question, mais je vous ramène ça à votre attention. Ça fait partie de l'analyse. Ouais.
C'est bon? Fait que il n'y a plus autre chose? Ça va? Non, on l'avait dit tout, là, mais. Ben, en fait, ce n'est pas une période d'échange, c'est une période de questions. Normalement, c'est 3 minutes avec 2 questions là, au conseil. Puis là, on... vous avez un autre sujet? Ben, c'était le sujet de madame. OK, ben, allez-y. OK, moi, c'est parce que je suis entraîné longtemps là, au gym en haut, puis je trouvais ça très désolant. Anciennement, j'allais à Sherbrooke, mais là, j'étais content, côté chemin. Là, il n'y en a plus. Et c'est quoi qui arrive avec ça? Quoi qui va arriver? Là. Les filles, les appareils sont encore là, quand t'arrives au jour. Et... Oui, mais c'est une question de sécurité, en fait. C'est ça, bon, vous savez, bon, c'est ça. Fait que il y a un enjeu de sécurité. On ne peut pas maintenir les activités du gym à cet endroit-là. Il n'y a jamais rien arrivé avant. Je comprends. Mais maintenant, ça appartient à la ville. Ouais. Donc, la sécurité est encore plus importante. Il va entendre votre travail avec un jeune à quelque part, mais je n'ai pas la réponse pour le moment. C'est bon? Merci. OK. Donc, on va continuer. Nous sommes au fond dédié, point 8.1. Point 1, fonds dédié, signalisation visant à réduire les vagues. Donc, c'est un montant de. Nancy, je peux te présenter rapidement le dossier? Oui, mais tu peux dire le montant, je n'ai pas par cher, mais 278 environ. 278,22, Madame Robichon. Merci. Merci. Je vais juste attendre 2 secondes. Donc, c'est suite à une consultation là, avec les citoyens des riverains qu'il y a eu une demande là, qu'il y ait une meilleure signalisation pour les deux plages, donc la plage municipale de Deauville et la plage du parc Rodry, afin de sensibiliser les gens à être responsables de leur vague, donc afin qu'ils réduisent leur test, qu'ils fassent preuve un peu plus de suivi envers les autres plaisanciers, de respecter la quiétude des propriétaires riverains ainsi que de limiter l'érosion des berges. Et on les informe en même temps là, que si ces règles-là ne sont pas prescrites selon la loi sur le marché marchand, il y a des contraventions qui peuvent aller jusqu'à 500 $. On voulait les informer de faire attention à leur vague parce qu'ils peuvent être passés dans leur monde. Parfait, merci. Ensuite, le point 8.1.2, demande de soutien financier, de soutien à l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke, la SEV. Donc, c'est pour le fonds dédié là, de Brampton. Est-ce que Mme Boileau voulait présenter? Ben, en fait, dans le fond, vous avez peut-être suivi un peu le convoi avant les élections pour le Parti libre à Saint-Auger. La SEV, l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke, s'occupe de ce parc-là, entre autres. Ils veulent monter un programme d'éducation auprès des gens pour protéger les espaces verts, tout ça. Donc, ce qui est possible de notre part. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne chose de leur donner des sous pour les aider dans leur mission. Ça va. Donc, ensuite, le point 8.2.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 4 juillet 2022, arrondissement de Brampton, Roqueforest, Saint-Élie-d'Auville. Et le point 8.2.2, dépôt du budget des frais de représentation de 2022, arrondissement de Brampton, Roqueforest, Saint-Élie-d'Auville. Donc, pour le rapport de dépenses là, à ce jour, nous sommes à, nous avons dépensé 2 593 sur un budget de 10 000. Donc, on a encore un 7 800 de... disponible pour participer à différentes levées de fonds ou activités de financement là, qui est prévue. Ça va? Ensuite, point 9.1.1, demande de soutien à l'événement Fête de l'eau du district du lac Magog des Chevaliers de Colombes, conseil 8053 de Saint-Élie-d'Offord. Donc, c'est un... Moi, mais elle est encore comme ça? Oh, oui. Échelle de collant, oui. Donc, dans le sommaire décisionnel, là, c'est une activité de proximité là, où l'assistance financière est de 5 300, soutien technique de 2 000 $, qui correspond à chacune des fêtes de quartier là, qu'on a.
Ça fait quelques années qu'il n'y en avait pas dans le secteur d'Eauville. C'était une nouvelle activité pour cette année. Et en fait, elle a déjà eu lieu le week-end dernier. Est-ce que je dois dire que je vais mettre non. Mon conflit. Ben, t'es comme pas un conflit d'intérêt. Pas vraiment. OK. Non. Ben, juste pour, je c'est toi qui l'as organisé, mais c'est pas... T'en bénéficies pas monétairement. Que ça soit clair. Et j'en profiterai pour féliciter Mme Robichaud pour l'organisation de l'événement. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien, c'est fait. Très bien. Donc, ensuite, le point 9.1.2, aide financière à loisirs et famille pour la peinture du centre communautaire optimiste. Dans le fond, ces deux points-là sont au point 9.1.2 parce que ce n'est pas des budgets qui viennent directement de l'arrondissement, mais plus du service à la vie communautaire. Et c'est un montant qui est attribué là, par notre service de 9 755 sur un budget là, total de 12 000 $. Donc, le reste va être assumé par Loisirs Ex-Famille directement. Ensuite, le point 9.2.1 pour adoption, requête en circulation de la rue Bergerac, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines en arrondissement. Donc, comme étant donné qu'il n'y a plus de comité de sécurité publique, là, ces dossiers-là, ils sont approuvés là, en conseil d'arrondissement avant de se rendre au conseil municipal. Donc, il n'y aura pas de mesures particulières là, qui vont être mises en place, là, mais... Je ne sais pas si tu voulais-tu en parler plus, Nancy? Ben oui, dans le fond, je pourrais en parler à la fin, mais c'est correct. Les citoyens avaient demandé certaines mesures, puis finalement, ce qui va être installé, ça serait probablement des bollards. Et j'ai demandé une certitude qu'il y ait une étude plus tard, parce que les bollards, pour mon avis, n'étaient pas ce qui devait être là. Hein. Selon moi, ça se à propos de l'effet escompté pour la sécurité des enfants le long de la rue. Mais j'ai tout de même accepté qu'il y ait des mesures de sensibilisation, de valeurs installées et qu'on revoit le tout dans la suite. Parfait, bien, merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 13, message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que, on va commencer, comme nous sommes chez vous, Mme Boileau, est-ce que vous pouvez commencer? C'est un peu moins facile que le conseil municipal. Okay. Vous vous rendez compte que ça fait 5 ans qu'on ne peut pas assis ici sur les sièges du conseil d'arrondissement de Brompton. C'est un moment vraiment important, particulier. Je suis vraiment contente d'avoir pu réaliser cette promesse électorale-là. Ensuite, j'aimerais parler du journal ici Brompton qui, à partir du mois de septembre, je crois, sera distribué à toutes les portes de Brompton à tous les mois. Donc, puis on change de format en plus. Donc, bravo à toute l'équipe du journal. Puis ensuite, j'ai Franck de la Maison des Jeunes ici qui a besoin de votre aide. Pour le 1er octobre, il y a le barrage routier, puis c'est sûr qu'il ne peut pas faire aussi mauvais que l'année passée. Donc, je vous invite à venir aider France. Je vais être là aussi pour amasser de l'argent pour nos jeunes. Tu vas être sur le point parking et industriel. Exactement. Puis, dans le fond, on fait le cul pour être vraiment de l'argent pour nos jeunes. C'est un barrage aussi, une levée de fonds. Donc, l'année passée, ça a quand même un ramassé pour toutes les maisons de jeunes de Sherbrooke, plus de 60 000 $. Donc, ça fait vraiment une différence. Ça nous permet de continuer à faire des projets d'éducation et de prévention auprès des jeunes, dont les jeunes de Brompton, entre autres. Portland et Industriel. Puis, je terminerai avec ce qui s'est passé hier dans l'actualité, là, au passage piétonnier sur Portland. Aujourd'hui, c'était le jour de rentrée scolaire. On pense à tous nos jeunes qui marchent à tous les jours de la semaine pour aller à l'école, qui traversent les passages piétonniers, on pense aux gens qui sont pressés d'aller travailler. Tu sais, je pense que arriver en retard 5 minutes,
ça vaut la peine quand on a laissé passer quelqu'un sur le passage piétonnier puis qu'on a levé le pied de l'accélérateur. Je pense que c'est important qu'on ralentisse, qu'on prenne le temps de se regarder, de se faire signe, exactement, de se faire signe, de voir les piétons qui marchent, de saluer, de se respecter, d'être tolérant, bienveillant les uns vers les autres. Les piétons, c'est important, c'est l'activité physique. Pas les automobilistes qui devraient prendre autant de place. Faut laisser la place aux piétons. Puis je pense qu'il faut s'en rappeler. On est une rentrée scolaire en ce moment. Je pense que c'est le bon moment pour faire ça un peu comme le jour de l'an, avec une nouvelle résolution. Ben, on lève le pied de l'accélérateur, on sourit aux gens, on laisse passer les gens, puis tout le monde va pouvoir rentrer en sécurité chez eux le soir. Merci d'être venu. Je suis contente de vous voir. Oui, Madame Lefebvre. Moi aussi, je suis bien contente d'être ici. Moi aussi, je voulais qu'on puisse revenir et à Saint-Élie et à Brompton. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, moi, j'étais ici il y a 12 ans avec mes filles qui avaient des cours de danse dans cette salle et je n'avais jamais vu cette section-là. Donc, je suis bien contente d'avoir cette chance-là. Alors, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Et puis, ben, la preuve, c'est que vous êtes venus nombreux, donc ça répond. C'est ça qui est intéressant pour nous. Moi, je voulais d'abord souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Hein, beaucoup d'élèves qui sont rentrés aujourd'hui, avec ou sans enthousiasme. C'était pas beaucoup d'enthousiasme chez nous, en tout cas. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé là cet été à Saint-Élie, où on a un barrage de castors qui a posé problème et on a malheureusement perdu un chien dans l'histoire, parce qu'un chien s'est fait prendre dans un collier. Donc, c'est assez... c'est vraiment triste. C'est un concours de circonstances, de plusieurs facteurs et plusieurs intervenants là-dedans. Donc, c'est une situation complexe que je ne commenterai pas non plus parce qu'éventuellement, il va y avoir des plaintes. Mais la ville a quand même pris des leçons. Il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies pour les prochaines années, les prochaines situations comme ça. Donc, c'est un dossier qu'on continue à regarder parce que même si on est une ville, il y a des barrages de castors à plusieurs endroits dans notre ville. Voilà. Personne, Mme Bouchot? Oui, bien, dans le fond, avec l'habitude de l'activité du festival qui a eu tout au long de l'été, il y en a pour tous les goûts. J'espère que vous avez pu en profiter. Et puis, dans le fond, on en a parlé un peu. En fin de semaine, on a tenu la première édition de la fête de l'eau. Je voulais remercier les chevaliers du colon de Saint-Élie d'avoir cru et d'avoir participé à ma demande, dans le fond, fait qu'ils nous ont appuyés. Ça a été vraiment génial. Je remercie aussi les partenaires qui ont embarqué la première année, puis les bénévoles qui sont venus donner un coup de main. Ça a été une réussite pour une première année, puis les gens en veulent une deuxième année. Donc, on va regarder ça pour l'an prochain. Et puis sinon, bien, pour les nombreuses plaintes liées au train, que ce soit pour le sifflement, que ce soit pour la lourdeur des trains et la vitesse, bien, ce soir, je ne divulguerai pas le contenu des discussions, mais du moins, on a eu une première discussion avec les élus. Je serai plus seule à tenter de trouver des solutions pour régler quelque chose qui était impossible, finalement. Fait qu'à l'arrondissement, on va commencer des démarches, là, puis on espère que ça va pouvoir apporter des solutions réalistes et faisables pour les citoyens qui sont, somme toute, beaucoup dans mon arrondissement, mais dans l'arrondissement d'Annie, de Paul-Jean, de Marc, de Raïs, et ça fait la ville, finalement, après. Puis donc, j'espère que ça va arriver à quelque chose. Parfait. Donc, je voulais peut-être, moi, de mon côté, remercier là, très chaleureusement Jean-Philippe Marcoux, le nouveau directeur de la Maison des jeunes de Roqueforest, Saint-Élie, Deauville. D'une part, pour son défi qu'il a accompli, il voulait parcourir un 50 km de course et il a réussi avec un temps de parcours là, de 4 heures 29 minutes. Il a amassé 3 400 $ pour la Maison des jeunes. Donc, c'est un beau défi qu'il a relevé. Puis, je salue notre coordonnateur qui a presque couru la moitié. Donc, bravo Nicolas, t'es en forme, on est content de te savoir en forme parce que on a besoin que tu sois en forme.
Et aussi, je voulais remercier Jean-Philippe et son équipe là, pour l'organisation de la fête au parc Mi-Vallon. C'est eux qui ont organisé la fin de semaine du 22, ben, samedi le 22 août, là, la fête au parc Mi-Vallon. Puis, ça a été une belle nouvelle édition. Je pense que les citoyens étaient contents là, d'avoir quelques petites nouveautés. Puis, ben, c'est un des dossiers là, qu'on va aussi là, revoir dans la foulée des questionnements sur les différentes fêtes. C'est ça. Fait qu'on a une maison des jeunes avec un nouveau directeur très dynamique. C'est le fun de voir cette nouvelle énergie autour dans notre arrondissement. Donc, voilà. Puis, c'est ça. Fait que ça fait le tour. Puis, là, nous, on va se revoir ici à Brompton. Quand? C'est en novembre. À Saint-Élie, en octobre. OK. Donc, en novembre, vous pourrez revenir nous voir. On va être ici. C'est le troisième lundi. C'est le quatrième lundi du mois de novembre. On va être de retour ici même. Donc, mettez ça à votre agenda pour venir nous voir. Puis, vous pouvez nous voir à Rock Forest aussi. Hein? On est accueillants. C'est le 28 novembre. Ben oui, moi aussi, j'ai trouvé ça loin de venir ici. Ah, hein? C'est votre travail. Ben oui. Bon, donc, trêve de plaisanterie. C'est ça, donc voilà, je lève la séance. Puis merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que nos gens de la ville sont présents? Oui. Pour la prochaine étape. Ah, bon. Donc, Mme Fouquet. Oui. Et M. Petit, bonjour. Bon, ben parfait. Donc, on vous invite à vous joindre en avant. On va parler de neige.